Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc chapitre 11 versets 5 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, « Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur, l'autre lui répond, « Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Acclamons la parole de Dieu.